Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, frères et sœurs, commencez dans verset 29 pour arriver dans verset 31. Et avec parole ça au matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nous grâce et qui permet que matin nous capables ensemble pour la prière du matin. Jeudi, c'est lundi 7 juin 2021. Nous dit Seigneur, merci pour grâce que le fait nous matin, lui permet que nous lever pour une nouvelle semaine et nous déjà connaît toute bénédiction Seigneur réservée pour nous pour semaine ça, toute force lui préparée pour nous, pour les bannons, parce que lui écrit dans parole Seigneur dans Ésaïe chapitre 40 là que le Seigneur bail force à monde qui fatigué yo. Monde qui fatigué yo, Seigneur bail yo force, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40, commencez dans verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Que semaine ça, capable une semaine de force pour la vie ou une semaine pour Seigneur permettre qu'on voler, hein, ou courir ou parité en chemin, ou parité en chemin fatigue, parfois camper dans route. Non pas moi, c'est frère Bigot, dictionnaire, qui est avec au matin pour la prière du matin. Donc c'est déjà une nouvelle semaine. Que le nom du Seigneur soit béni, du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à chaque monde qui est déjà invité un autre monde. Eh bien, sur ligne de prière, matin, et nous dit Seigneur merci. Invitons aux amis, dit-il que nous, ensemble, matin, dans la prière du matin, partagez aussi à l'autre zame ou yo, prière du matin. Peut-être Seigneur va avouer une parole pour la vie yo. Une parole qui est capable de construire la vie yo. Le monde avec tout ça ouais, qu'il a donné, c'est la parole de Dieu qui construit. C'est la parole de Dieu. Au commencement, était la parole, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui créait toute bagaille ouais, qui existait dans le monde ça. Tout c'est la parole de Dieu qui créait yo. C'est ça nous est dans Jean chapitre 1er. Donc au commencement était la parole. Donc là écouter parole bon Dieu, gampil travail, gampil miracle qu'a produit dans la vie, gampil changement qu'a fait dans la vie et nous songer comment le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, il était dit la prière sacerdotale là, il était dit papa pour sanctifier yo par la vérité parce que parole bon Dieu c'est la vérité. Nous besoin d'entendre parole là, nous besoin mettre parole là en pratique, nous besoin l'ouvrir cœur nous pour parole là pénétrer nous. Donc matin hein, à mes auditeurs de la prière du matin, moi-même fort qui avec vous ou même qui à peine branché nous, chaque matin nous avons rendez-vous ça à 5h du matin sur notre chaîne de prière YouTube frère Bigot Luxonnaire. Donc vous capable remarquer ça et abonner pour que ou capable joindre chaque nouvelle prière sous channel ça donc son channel de prière et nous dit bon Dieu merci frères et sœurs et amis auditeurs de la prière du matin pour chaque monde matin qui déjà monté sur ligne de prière pour chaque monde qui avec nous cap côté nous sous station de radio qui relaye prière du matin quel que soit ou dans les provinces d'Haïti quel que soit côtoyé ou branché prière du matin. Nous disons Seigneur merci pour fidélité à 5h du matin, heure d'Haïti, nous ensemble et nous brancher un peu partout à travers le monde, prière du matin.
Donc c'est un rendez-vous nous gagnons pour nous faire une grande chaîne de prière, même si nous pas là physiquement avec eux, mais en esprit nous connecter en esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est dans Ésaïe chapitre 40 là, nous partager texte ça avec eux pour nous saluer. On connaît chaque matin, nous toujours un texte pour nous saluer la dernière. Maintenant, c'est Ésaïe chapitre 40 côté que nous tirer texte à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui, ils renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, les pour gagner force pour continuer à avancer sont seuls qu'on doit joindre. C'est notre confiance dans bon Dieu. Auteur a chanté, il dit, à confiance nous va marcher, à confiance nous va triompher. Et nous gagnons confiance dans bon Dieu, nous traverser good loyo. Sans que nous pas sauter. Et nous gagnons confiance dans bon Dieu, frères et sœurs, quel que soit Jean Montal à camper devant nous, c'est pour lui aplanir. Frères et sœurs, matin, j'aimerais attirer attention avant que nous prions pendant quelques minutes. J'aimerais attirer attention sur fatigue spirituelle. Souvent, même avec vous, nous qu'on laisse nous aller par fatigue spirituelle. Et fatigue spirituelle là, son bagage qui facile, frères et sœurs, facile pour arriver et sur le monde, sans pas rendre compte. Et surtout lorsque vous dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque le Seigneur fait une promesse et que obtient accomplissement promesse là, il est facile pour que vous ayez fatigue spirituelle qui tombe sur. Parce que des fois, selon nous-mêmes, nous estimons que l'attente est longue. L'attente est longue. Et c'est pas sans raison. Seigneur, fait nous connaître que parmi les fruits, Saint-Esprit a gagné patience là-dedans. La patience, c'est un fruit de l'Esprit que le Seigneur parlait dans nos livres, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Dans Galates chapitre 5, là, lorsque l'a mentionné fruit de l'Esprit, il fait nous connaître que patience, c'est une là-dedans. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Eh bien, pendant que nous dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous besoin gagner patience. Oh, il n'est pas facile, frères et sœurs, parce que c'est l'homme noué. Lorsque bon Dieu fait nos promesses, nous avons temps passé pour ne pas inquiéter nous. Surtout lorsque nous avons l'âge à monter sous nous pour ne pas inquiéter nous. Eh bien, c'est ça qui produit fatigue spirituelle. C'est lorsque nous dans l'attente, nous attendons longtemps, ou bien, frères et sœurs, il y a l'autre bagaille encore qui produit fatigue spirituelle dans la vie, nous. C'est lorsque nous prenons un échec pendant que nous t'es compté sur bon Dieu, pendant que nous t'es espéré que bon Dieu a fait tel bagaille, gens que nous-mêmes nous pensions. Donc ça, il faut mettre en fatigue spirituelle pour faire que nous pas la prier encore. Et même des monde qui fâché avec bon Dieu. Yo là oui, yo pas dit rien non, mais dans cœur yo fâché avec bon Dieu parce que yo al prend un test, yo pas réussi. Parce que gon expérience yo fait, yo prend échec la dernière. Yo fâché avec bon Dieu. Et des monde même qui rivé non point qui pas contrôler, qui dit mais pour qui ça bon Dieu qui t'est ça arrivé? Pour qui ça bon Dieu qui t'est ça arrivé? Donc ça a vint mettre dans mon âme une froideur spirituelle. Pour qui ça bon Dieu qui était malade? Pour Jean bon Dieu m'a servi lui. Pour qui ça bon Dieu qui était bagage ça arrivé? Donc en pile foi et les bagages ça ont venir, des monde qui chuté, des monde qui abandonné la foi, des monde qui profitait. Eh bien dit ah bon Dieu là oui mais servi bon Dieu c'est pas pour moi, il prend l'autre direction. Écoutez, dans la fatigue spirituelle, un seul bagage au besoin fait, c'est mettre confiance en bon Dieu. C'est ça la Bible dit nous dans Ésaïe chapitre 40. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Raison qui fait que il bail force à monde qui fatigué, c'est parce que mon yo confié yo dans lui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
des moments où on traverse dans la vie ou fatigué spirituellement. Même la prière, pas la prière. Ou pas qu'à prier. Mais un seul bagage qu'a pido, c'est confiance en bon Dieu. Lorsqu'on a confiance en bon Dieu, ou traverser goud l'eau sans cœur pas sauter, ou marcher dans du feu sans cœur pas brûler. Lorsqu'on a confiance en bon Dieu, même si y a fort menace, cœur pas sauter parce qu'on connaît celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Matin, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Dans Matthieu chapitre 25, d'aimer ou lire ensemble avec moi. Pour voir comment que 10 vierges sa yo, malgré que gen 5 la nan yo qui folle, gen 5 qui sage. Mais pour les sages, ou te ka di, mais comment fait yo quitte fatigue spirituelle pour te yo aller? Eh bien, ces vierges qui étaient dans l'attente de l'époux, yo te prend toute disposition pour que yo allé à la rencontre de l'époux. Et voilà que l'époux t'a d'avenir, yo vin gon fatigue qui prend yo. Yo fatigue spirituelle. Et n'a vive dans temps de grand sommeil spirituel, frères et sœurs. Yo temps de grand sommeil spirituel. Et nous besoin très vigilant parce que temps de sommeil spirituel ça, c'est un temps qu'a voyé un pile monde dans le monde, un pile monde chuté, un pile monde abandonné la foi parce que selon prophétie yo, frères et sœurs, avant le retour de Jésus-Christ, avant que l'église l'a enlevé, a gagné un sommeil spirituel. Et c'est ça le Seigneur baille dans la prophétie que il fait dans Matthieu chapitre 25 là, il dit royaume de Dieu va sembler avec 10 vierges qui déplaçaient pour y aller rencontrer pour. Donc ça la parlé au là de nous-mêmes chrétiens évangéliques, chrétiens nés de nouveau et en pile l'autre monde et dans Matthieu chapitre 25 là yo même c'est chrétien tout mais yo pas gagné l'huile dans lampe yo et yo pas ca briller c'est-à-dire la vie yo pas une évangélisation la vie yo pas un exemple la vie yo pas une lumière yo pas gagné onction Saint-Esprit hein. L'huile Saint-Esprit nan yo yo pas gagné li. Donc ces 10 vierges frères et sœurs donc yo même qui allait à la rencontre de l'époux gen 5 là dans yo qui folle gen 5 qui sage 5 qui folle yo allait vraiment mais yo pas prend l'huile yo prend lampe mais yo pas prend l'huile pour mettre dans lampe là pour lampe là capable briller pour lampe là capable lumer malheureusement yo pas fait ça. Cependant et pour l'autre qui sage yo prend l'huile en réserve. Mais malgré que yo gen l'huile dans l'ampio, malgré yo gen onction Saint-Esprit a, mais ça pas empêché que fatigue spirituelle là pote yo aller, yo vinn fatigué parce que yo était dans l'attente de l'époux. C'est ça texte dit nous dans Matthieu chapitre 25 verset 5 là, il dit que comme l'époux allait à venir, elle s'assoupirent toutes et s'endormirent. Donc quel que soit le sage, quel que soit le folle, 10 vieilles ayo yo tout abdormi donc yo non fatigue spirituelle assoupissement spirituel la fait que yo non sommeil. Dans Romains chapitre 13 frères et sœurs amis auditeurs de la prière du matin Romains chapitre 13 parole bon Dieu dit nous cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, salut en l'épipré, nous. Nous sommes à la fin de toutes choses, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Toute prophétie que le Seigneur te baille, qui a un rapport avec Venuli pour prendre son église, toute prophétie saillo accomplie sous yeux, non? Donc, il reste tout simplement, frères et sœurs, pour que nous voyons l'enlèvement de l'église. Si toutefois, Seigneur a fait nous grâce pour que nous vivons, lors de ce grand événement, nous pas contre qui joue, qui l'heure, mais en seul bagaille, nous sentis que bagaille au plus près que au plus loin. Parce que, après que l'église fut enlevée, il y a un pile bagaille qui va arriver sur la terre, la grande tribulation, le jugement de Dieu qui va frapper les hommes sur la terre pour méchanceté, pour mépris, au fait du sang de l'agneau, de l'amour de Dieu qui était venu pour sauver, donc par où se voit aller. Donc,
nous sommes à la fin de toute chose. Donc, il est normal pour que gagnons fatigue spirituelle. Et c'est ça le Seigneur illustré pour nous à travers l'histoire que l'explique nous dans Matthieu chapitre 25, là, en parlant des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Donc, c'est pour Libanon, tableau spirituel de la fin des temps. Eh bien, dans le temps que nous vivons, puisque c'est un temps de sommeil spirituel, dans Romains chapitre 13, parole bon Dieu m'a dit non, pour nous réveiller. C'est pour nous réveiller. Réveiller parce que nous sommes dans le temps que nous sommes. Ce n'est pas le temps pour nous abdormir spirituellement, pour nous quitter la fatigue spirituelle pour nous aller. Pas oublier non, ça qui bord fatigue spirituelle, c'est lorsque sortez à attendre le bon Dieu, il prend du temps pour le faire. Ou bien ça où t'es espéré dans bon Dieu, c'est pas ça ouais. Parce que souvent moi avec vous, nous qu'on penser bon Dieu passer par telle route pour faire telle bagaille pour nous. Non. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Amis auditeurs de la prière du matin, pas un monde qui ca sonder voie Seigneur. Non, pas un monde qui capable sonder, qui capable dire que mais qui ça bon Dieu va le faire. Non. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Pas un monde qui capable dit bon Dieu pour le passer. Non. C'est Seigneur connaît comment l'a fait ça. Comment l'a prouvé route, comment par qui chemin l'a passé. Nous-mêmes nous seulement besoin rester confiant pour nous connaître Seigneur pas blaguer nous dans trop. Seigneur pas blaguer nous dans trop. Non. Il pas abandonner nous dans chemin. Il pas blaguer nous. Nous besoin de confiance dans lui. Nous besoin connait que Seigneur en amour li nan grâce li. Ô ami auditeur de la prière du matin, personne monde pas capable sonder les voies du Seigneur. Jacques dans Romains chapitre 11 verset 33, ces voies yo incompréhensibles. Yo incompréhensibles frères et sœurs. Et pensez pas non pas penser bon Dieu. Les nos pensées tel bagaille, pas comprendre que c'est même penser à Seigneur à gagner. Non. Ésaïe chapitre 55 verset 8, parole bon Dieu dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Pensez nous pas penser pas moi. Bien nous penser c'est pas quoi ça bon Dieu penser. C'est ça qui fait que yon monde leur obtenir nos bagailles non mais bon Dieu espérer bagaille là mais pas garder pas qui route la passer. Pas garder pas qui moyen la utiliser pour le faire sale ou fait pour roi. Est-ce que la matin fatigue spirituelle, nous voyons comment que les 10 vierges, eux-mêmes, étaient plongés dans fatigue spirituelle. Les voies du Seigneur, le chemin du Seigneur, pas quitter parce qu'on fatigué. Mais l'on fatigué, mais du genou à terre. La prière dit bon Dieu, pas de force, non. Seigneur, ça m'a traversé l'âme, sentime sans force. Pas capable encore. Seigneur, pas capable encore. Avant on prend décision à l'écoute bon Dieu. Avant ou fait ça pour faire un matin, bye bon Dieu un petit temps pour le parler avec vous. Bye bon Dieu un petit temps pour le bon lumière. Bye Seigneur un petit temps pour les inspirer. Bye Seigneur un petit temps pour les fortifier. Bon Dieu qu'on est fatigué. Seigneur qu'on est lassé ou pas capable encore. Mais bye un petit temps pour le fortifier. C'est ça, le Seigneur enseigne-nous dans Ésaïe chapitre 40. Là. Le Seigneur fait nous connaître par canal serviteur. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Quand le monde qui est fatigué au matin, quand le monde la vie a fatigué, quand le monde échec dans la vie a fatigué, le Seigneur a besoin de nos forces. Et d'ailleurs, il relève nous chaque qui est fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Va ban nou repos. Côté monde, mauvaise expérience yo fait dans vie a fatigué yo. Les mauvaises expériences de la vie fatigué yo. Venez joindre Seigneur. Seigneur après l'heure au matin. Seigneur après l'heure au matin, venez. Venez à moi. Et il pas gain reproche la faire. Non. Venez joindre ou même qui gon chay ko apote ou même qui gain un bagage qui domino quand pécho dormi vinn joindre Seigneur matin bini joindre ni gens hier. Oh amis auditeurs de la prière du matin, venez à moi vous tous qui êtes chargés
et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour des gens qui sont fatigués au matin, nous allons jouer le Seigneur ensemble dans la prière, non? Que bagaille pour traverser lui, ou besoin d'une semaine de prière, ou besoin d'une semaine pour concentrer sur bon Dieu. Et qu'on veut ou pas veut, c'est ça fait bon Dieu, oui. Qu'on veut, qu'on admette lui, qu'on pas admette lui, ou c'est ça fait bon Dieu, c'est propriété privée de Dieu. Quand pile bagaille pour sortir là-dedans, c'est par le chemin de la prière. Quand pile bagaille pour sortir dans la vie, c'est par le chemin de la prière. Puis qu'on fatigue avec vie, puisque ou dit bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, j'ai laissé tomber. Non! Autant de fois que ou al côté bon Dieu pour Seigneur changer condition de vie, ça pour qu'on fait, c'est pour continuer espérer dans bon Dieu. Mais mon nan bouquet à tête li, il fatigué à tête li, il senti que il a assez parce que chaque jour la demande bon Dieu pardon pour un seul bagage. Mais bon Dieu pas fatigué avant. Seigneur pas fatigué avant, faut gain patience pour tant de changement bon Dieu. Changement bon Dieu dans la vie au monde, son bagage qui fait progressivement, c'est pas d'un coup. C'est pas d'un coup. Ça n'y crée et puis là vous changez. Non. C'est ça qui fait que la parole de Dieu dit nous, celui qui commence en nous cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Faut qu'on tente que c'est un fini travail là haut. Mais gen moun nak ta men kou l'entre dans l'évangile là, la ville tout changer. Non, c'est pas automatique. Non. Ou qu'on paquet expérience pour faire bon Dieu avant la vie ou changer. Cet esprit a de temps en temps met ton grain bloc dans la vie ou son édifice l'a construit. Ton édifice l'a construit, faut gain patience. Puis go fatigué pour abandonner. Faut gain patience, patience et pour tant de changement hein, spirituel là qu'a fait dans la vie ou là. Gen moun nan li a peine converti, li te vle que la ville tout changer. Li dit bon, am converti kounya pa même moun nan encore. Pa même moun nan encore, c'est tout un processus, c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique non. C'est pas automatique. Cet esprit a travaille nan ou, l'a changé la vie progressivement. Progressivement. Puis go fatigué parce que Seigneur a, il pas fatigué avec ou. Puis on senti que au bouquet, ben Seigneur pas bouquet avec vous. C'est l'édifice Saint-Esprit. C'est lui qui a construit, qui t'a construit la vie. Philippiens chapitre 1er. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Soyez patient. Il y a des fautes pour qu'on sorte dans haut. Soyez patient. Il y a addiction dans la vie. Soyez patient. Parce que Seigneur, il prend patience avec vous. Puis vous fatigué pour dire bon, et m'abandonner, m'pas capable. M'pas capable, bon, m'abandonner. M'camper sous ça parce que moi-même, m'pas prêt à le faire semblant. Si m'l'évangile. Non. Puis vous quittez genre de réflexion, ça, yo. Passez dans la tête, yo. Non. Vin joindre Seigneur. Le fait qu'on l'église, le fait qu'on convertit, pas veut dire que la vie a changé automatiquement. Maintenant, on à l'école de Dieu. On a fait erreur, on a tombé, on a relevé encore. Pas comprendre que automatiquement, on fait recevoir l'engagement du baptême d'eau et que ou son monde qui saint, ou son femme, gade, puis on pas qu'à glisser. Non. Non, ou c'est un bébé spirituel. Ou son bébé spirituel. C'est apprendre ou pas apprendre marcher. Et pour apprendre à marcher, on tombe en pile. Et avant que on apprenne à courir, on marcher, on tombe pour membre ou à fermer. C'est ça qui fait que la Bible parlait de édifice que cet esprit a construit, que nous y est. Est-ce qu'on comprend? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc, on œuvre qui commence en vous automatiquement ou prend engagement pour servir bon Dieu, pour suivre le Seigneur, pour convertir. Dans l'histoire que moi connais, frères et sœurs, mes auditeurs de la prière du matin, un homme de Dieu t'a partagé. Il était gagné un monde qui convertit dans
dans ministère li on a recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître li et puis la suivre conduite maintenant pour le effort mon a fait pour que li capable engager li et totalement la caille Seigneur et puis à chaque fois culte là terminé mon ça toujours passé en côté pour les fumer cigarette li. Bon Dieu toujours permet que serviteur a ouais ça. Bon Dieu toujours permet que serviteur a ouais ça. Et ça fait en première fois, en deuxième fois, en troisième fois, plusieurs fois, serviteur a constaté que mon ça li gen yon addiction que le poko chanm capable sorti la dani. Mais yon nan bagay que serviteur a observé, c'est que li wè moun sa toujours vin l'église, li toujours dans toute activité, li toujours vle servi bon Dieu, mais l'am goumen. Et à mes auditeurs de la prière du matin, lorsque serviteur apprend toute patience sa yo avant que li ta rele et nouveau converti sa pour ta poser le question, bon Dieu balan pile patience et Seigneur a pas metté aucune poussée dans lit pour exhorter dans sens ça. Et puis un jour, frères et sœurs, nouveau converti après li fin faire un paquet de temps dans addiction que le pote jam capable délivrer. Puis un jour, li prend, li mandé la parole et puis li commencé à parler, il dit, m'a dit bon Dieu merci parce que je dis à la bon Dieu fais me grâce. Moi ouais que me passer tout un mois mon bagage qui était qu'on arrivé moi ça va arriver encore. C'est que des grandes addictions pour cigarette, même si l'église, même si moi dans toute activité yo, même de toujours et cigarette là me pas chambre capable quitter le son addiction dans la vie. Mais l'aime crier dans pied bon Dieu t'es bon force à courage, m'pas t'abandonner. Mais plusieurs fois, m'vin réfléchir, plusieurs fois m'penser, si m'quitter ça, la pi bon pour moi. Parce que m'pas vle passer bagay moun nan risible, passer bagay moun nan bêtise. Donc si m'zim chrétien, c'est pour la vie m'changer, c'est pour mon l'autre moun. C'est comme ça, il dit que l'te réfléchi, l'idée ça t'es passé dans tête li. Mais l'y surmonte tout parce que l'y dit, même si m'pas bon, mais m'ap continue à aller. Même si bagay ça poko sorti nan moi, m'ap continue à aller. Et puis il dit mais ça fait un mois depuis que bon Dieu délivré dans addiction ça. C'est ça qui fait que je viens témoigner pour me dire bon Dieu merci parce que il délivré dans addiction ça. Bah c'est un mois m'pas fumer et bon Dieu retire désir dans moi même sans cigarette m'pas prend. Vous connaissez frères et sœurs amis auditeurs de la prière du matin. Le pasteur attendait ça, il prend micro, il dit oui, son grand serviteur, bon Dieu. Serviteur, ça a tout parlé à. Lié parce que moi-même, t'es toujours ouais ça. Même qu'on est un jour, Seigneur, t'as délivré lui. Dans la période là, peut-être si m'étais pas là avec lui, ça t'es qu'à décourager, ça t'es qu'à faire honte et faire lui écarter de voir Seigneur, pas venir l'église là encore. Ça t'es qu'à faire plus mal que bien. Mais Seigneur, t'es bonne patience pour me tendre, parce que me connais un jour quand même, bon Dieu, permettre que je sorte de cette situation. Et, serviteur a dit, comportement m'te gagné. Et c'est ça qui frappant dans l'histoire, frères et sœurs, les comportements que m'te gagné à chaque fois m'te ouais ça, c'est pas ton monde m'te relé, pas qu'on monde l'église là qui est capable de dire, pas qu'on comité l'église là, pas qu'on jack l'église ou jack ones l'église, ou bien on responsable l'église qui est capable de dire, m'te relé yo, m'te di yo, m'te wè, frère tel kap fime tel côté. Personne moun pa ka di m'te di yo ça. Il dit ça m'te fait, c'est chenon m'te prend. M'te la prière. M'te la prière pour lui. M'te di bon Dieu délivre l. Bon Dieu pa kite nom ça perdu. Bon Dieu pa kite ennemi gagné nom ça. Et je dis à ça, c'est résultat prière moi. M'sentim content. Et frère,
il était un petit gens étonné, est-ce que vraiment pasteur a été relé? Et puis pasteur a dit oui, ou ka gen doute que m'te wè ou. Oui, m'te wè ou. C'était tel côté et puis le balai à chaque période ça t'est qu'on fait. Mes chers amis auditeurs de la prière du matin, surtout nous-mêmes qui responsables, nous-mêmes qui leaders. Léon moun fin vini parmi nous, Léon moun zon nouveau converti, son bébé que lié, qu'on traitement pour nous balayer, oui, qu'on façon pour nous traiter lui, parce que son nouveau converti lié, il y a des séries de bagages, c'est normal pour que il arrive dans la ville. Faut que nous encourager à persévérer. Les bagages ça arrivé pour pas abandonner la foi. Les monde qui chutaient, c'est parce que le pas un encadrement. C'est parce que côté il te fait bagaille là, gon monde qui était toujours là gantant fait exhortation, gon monde qui gantant fait rapporter mené venir. Et puisque mon n'a pas aucune dimension pour recevoir exhortation. Et les exhortations faites les mal faites, les pas faites avec amour. Il y a toute sévérité à la dernière. Et ça fait que un peu le monde abandonné. Gon monde frères et sœurs qui fatigué, c'est parce que yo senti yo honte. Yo honte de addiction yo gen dans la vie yo. Et gen moun Seigneur bral l'ouvri pou li l'aptanni. Les gens liés a avec toute faiblesse li a, Seigneur aptanni. Le Seigneur prend pile patience avec Judas jusqu'à ce que Judas frères et sœurs malheureusement pou li. Li pa surmonté pente lan. Judas, tu qu'on a pris l'argent dans caisse là. Malgré ça, Seigneur, pas de jambe, dit Judas rien. Non, il pas me dit rien. Le Seigneur connaît ce Judas qui a trahi lui. Mais il pas jambe citer non Judas pour la vie de Judas. Pour le faire Judas connaît c'est ou même oui Judas. Non. C'est pendant cette scène là, le Seigneur dit gagne un dans mitan nous là qu'elle trahi moi et même Judas pose cette question en tout. Judas dit, est-ce que c'est moi-même? Le Seigneur dit, oui, tu l'as dit. Est-ce que vous comprenez? Et ou après que le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, dans le même moment ça, il n'a pas même dit Judas, c'est au cap von main. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Traite. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Traite. Non, mais le Seigneur traite-le avec amour. Donc le Seigneur, ben nous, il y a un exemple côté que. Les montrer nous malgré Judas comporter Jean comporter là malgré toute sa Judas fait qui pas bon mais il toujours traiter Judas avec un pile amour frères et sœurs donc toutes ces possibilités que le bail Judas pour Judas était capable de repentir hein maintenant omniscience il connaît que Judas c'est là qui a trahi là. Mais Libanon, il y a un exemple de leadership. Les gens qui ont un défaut, qui eh bien, un bagage qui doit changer, nous devons prendre patience ensemble avec lui en façon pour que nous soyons capables de gagner comme ça pour le Seigneur. Donc, le Seigneur te connaît, Judas a pris l'argent en caisse. Parce que Judas, malgré tout défaut que le a, malgré le Seigneur connaît, c'est le fils de la perdition. Mais le Seigneur a cherché à sauver Judas. Judas a occasion pour Judas sauver. Yo ba Judas responsable bourse comptabilité caisse Judas c'était responsable trésor nan mitan yo dans le ministère du Seigneur donc c'est Judas qui te kembe bourse là question l'argent c'est Judas et ouais que à maître reprise c'est mesdames qui supportaient le ministère de Jésus-Christ dans Luc chapitre 8 mesdames ça yo que le Seigneur te guéri qui guéri dans mauvais esprit que te gagne l'autre maladie que te gagne. Donc c'est mesdames Sayo, parmi yo Marie Madeleine, ancienne prostituée, te gen Jeanne, la femme de Chouza et plusieurs autres encore qui t'a supporté le ministère de Jésus-Christ, qui t'a bail support yo pour que ministère capable continuer à avancer parce que le Seigneur t'a gagné l'évangélisation. La Bible montre nous ça dans Luc chapitre 8 là. À partir du verset 1er, on capable lire histoire ça pour voir comment que des femmes qui t'a fait route avec le Seigneur qui était dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur. Maintenant pour comment que Judas toute patience que le Seigneur prend avec lui pour que Judas capable faire un autre bagaille. Vous songez dans Jean chapitre 12 côté que Judas t'es parlé alors t'es critiqué geste que Marie t'es fait lorsque
Marie t'a fait action de grâce dans pied Seigneur, il t'a remercié le Seigneur parce que le Seigneur fait pile bien pour lui. Judas a été un petit dérangé parce que parfum que Marie t'a jeté dans pied mettre là, c'est ton parfum de grand prix, un parfum qui est cher, frères et sœurs. Et Judas dit mais bon parfum cher comme ça et nous t'es qu'à venir, oui, nous t'es qu'à venir pour nous régler pile bagaille. Et la Bible dit nous c'est pas parce que Judas t'a mis en peine non et pour Porvio, parce que Judas dit si nous t'es venu par Porvio l'argent il t'a pis bon mais comment t'es mon fait où elle paraît comme un monde qui pour bon Dieu et ben vrai non il va dans bon Dieu non 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 son truc son ruse que le gagne son truc oui il y a bagaille mon avait commentaire sous lui il y a bagaille mon dit et pas parce que ils sont monde vraiment cap défendre intérêt pauvio cap non son truc que le fait son truc que le fait il pas sincère non il pas sincère non critique où elle fait surtout dans pays nous en Haïti majorité homme politique qui parle dans radio dans télévision. C'est après tout le monde a prouvé que c'était des menteurs que ont été des hommes qui pas respecté tête, qui pas respecté petite, qui pas respecté famille, qui pas respecté nom yo. Comprendre? Donc Judas était essayer utiliser tout ça pour faire comprendre que l'action posée par Marie, la sœur de Lazare, c'était un bagage qui pas de bon. Mais la Bible dit non, c'est pas parce que Judas était mettait en peine pour pauvre, mais c'est parce que il était volé. C'est voler, donc le Seigneur fait tout le temps ça avec voler à la mi-temps. Hein? Tout le temps ça, le Seigneur fait avec voler à la mi-temps. Le Seigneur te connaît. La Bible dit nous, dans verset 5, Judas parlait, Jean chapitre 12, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non! Qui se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Judas était voleur. Non seulement traître, mais c'était un voleur. Hein? Tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Hein? C'est lui qui a gagné la bourse là, mais tout ça, on met la donne, libre à yo. Ça, c'est un bel exemple, le Seigneur Bano, hein? C'est un bel exemple, oui, le Seigneur Bano là, de leadership. Patience pour nous gagner. Tout l'argent, il mettait dans bourse à Judas volé. Ben, le Seigneur prend courage à Judas. Bon, même Sainte-Seine, Judas vient prendre. Le Seigneur te dit Judas, non, pas qu'après Sainte-Seine, non. Pas qu'après Judas après Sainte-Seine, non. Judas après Sainte-Seine, non. Judas après Sainte-Seine, non. Te dit Judas, non. Judas, non. Judas, pas qu'à marcher dans le temps, non. Non. Le Seigneur quitte. Eh ben, c'est Sainte-Seine qui peut le faire. Lougaou que li a transformé le volet, est-ce que vous comprenez? Vrai visage li manifesté. C'est Sainte-Seine, ou il fin prend Sainte-Seine, et puis j'entendais so li dégénéré. Li dégénéré, et vous connaissez l'histoire, c'est que Judas fini par mourir, et li prend tête li avec regret que li gagne pour ça le te fait. Parce que Judas c'était un homme qui était cupide en pile, remet l'argent. Te vend. Le Seigneur pour l'argent, c'est pour l'argent le vendre le Seigneur. Dans la vie au monde, faut pas aimer l'argent, hein? Faut pas aimer l'argent. Ou servir avec l'argent, ou besoin l'argent pour servir, mais faut pas faire n'importe quoi pour de l'argent. D'accord? Faut pas marquer mon ennemi pour l'argent, faut pas jouer monde pour l'argent. Non. Non. Ça fait que l'argent monde doit aussi contre le Seigneur pour aller pour dire l'Éternel faut jeûner l'argent ça, c'est bon Dieu pour faut jeûner l'argent. La prière jeûner, comprendre pour l'argent ça débloquer. Mais pas faire mauvais bagaille, vous comprenez? Donc c'est très important. Nous n'avons pas parlé de ça, nous n'avons pas parlé de fatigue spirituelle, mais nous sommes arrivés jusque-là pour nous capables de comprendre que ou besoin de patience ou même personnellement avec tête, parce que bon Dieu a patience avec vous. Ou pas doit abandonner tout ça, ou pas doit abandonner le Seigneur, parce que ou bon bagaille qui pourrait capable changer dans vous. C'est ça qui fait nous râler l'exemple Judas ensemble avec vous, pour être toute patience que le Seigneur prend avec Judas. Hein? Toute patience que le Seigneur prend avec Judas. Même lorsque Judas vend le Seigneur, il vient démontrer Seigneur, non. Alors il vient désigner Seigneur dans le jardin, il vient montrer qui est qui Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, mon ami, ou vient faire ce que tu as pour faire? Mon ami,
Li beau le Seigneur, oui. La Bible dit nous dans Matthieu chapitre 26, verset 49, aussitôt s'approchant de Jésus, il dit salut, Rabbi. Il le baisa. Traite hypocrite, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Fais-le. Par un baiser. Le Seigneur te connaît, va retourner le Seigneur. Comprends, depuis dans cette scène-là, le Seigneur te dit oui, ou dis-lui, c'est vous-même. C'est vous-même. Même malgré ça, monsieur, pas comprendre, parce que le côté qui a tout mis main sous Judas pour bah, la fête, mais c'est accomplissement prophétie. Il était doué arriver. Nous prenons la prière matin. Seigneur, avez-vous pris patience avec vous? Puis, vous êtes découragé. Seigneur, avez-vous force dans la fatigue qu'on retrouve au matin? Seigneur, avez-vous fortifié au matin? Seigneur, avez-vous force pour capable continuer à avancer? Vous qui fatigué au matin, bras Seigneur à l'ouvrir pour nous. Vous voulez fortifier nous. Oh, Jean Yéa, présenté devant lui dans la prière. Parce que Seigneur, by force à monde qui est fatigué, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, by force. Oh, alléluia. Matin, cotoyer. Seigneur, qu'on restaure. Seigneur, by force, matin. Il restaure monde qui finit, monde, il dit pas espoir pour yo encore. Et c'est restaurateur, yo. Mon Dieu, pas jeter au matin, ou même qui t'es fatigué, Seigneur, v'lez bas aux forces. V'lez permettre qu'on recampe encore pour continuer. Pas de monde qui pas fait erreur. Pas de monde qui pas tombé avant yo apprendre marcher. Pas de monde qui prend le grand demain sans que yo pas connaît yon vie d'épreuve. Sans que yo pas connaît les difficultés de la vie. Qu'a fortifié yo. Pas gagné un héros qui pas mené de grandes batailles avant que li arrive jita sous trône. Avant que li pote non héros. Seigneur, gagne patience pour au matin. Continue à avancer, pas abandonner course là. Et gagne patience pour au matin, puis go abandonner course là. Retourne, va continuer à avancer. Avec idée pour abandonner. Ou capable de fatiguer, Seigneur, connaît ça. Il y a un moment dans la vie où il y a un bagage qui traverse dans la vie ou pas qu'à prier. C'est tendé pourtant nos prières. C'est tendé pourtant nos servantes de Dieu, un serviteur de Dieu qui a la prière, qui peut aider. Mais force pas ou pas capable. Il y a frappe ou prendre, il y a déception ou prendre en vie ça. Ou pas qu'à prier. C'est Seigneur pour fortifier. Esaïe chapitre 40. Verset 29, 30, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Jeune monde, il est fatigué, il est bouqué, il n'est pas capable. Mais le monde qui confie au Seigneur, il renouvelle les forces, il court comme un aigle. Il n'est pas jamais fatigué parce que le Seigneur renouvelle les forces. C'est pour Seigneur renouveler force dans la semaine. Non. Ou même qui dans deuil, c'est pour Seigneur renouveler force. Ou même qui prend échec, c'est pour Seigneur renouveler force. Ou. C'est pour Seigneur avoir le bras pour continuer à avancer. Pas comme ça, mon frère. On a besoin de Seigneur renouveler force au matin avant de sortir pour aller dans le travail. Là. C'est pour force Seigneur descendre sur. C'est pour descendre dans la vie. Ou. C'est pour descendre dans la maison la caille. Pas comme ça, perdu. Pas comme ça, crivé. Mais c'est pour Seigneur communiquer aux forces ce matin pour continuer à avancer. Bah on commence à dormir un soir. Mais c'est pour Seigneur communiquer aux forces ce matin pour lever, pour bâler gloire. Amen. Seigneur, bon Dieu, Papa, non. Immortel, invisible, roi des siècles. C'est pour nous béni, c'est pour nous exalté, créateur de l'univers. Notre Père bienveillant, notre Père d'amour. Merci matin pour jour ça au banon. Merci pour parole ça yo matin. Vous voyez pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour chacun de nous matin, Seigneur qui monte sous ligne de prière ça. Merci au rocher de Jacob pour chacun de nous à bail force.
pour nous traverser good l'eau yo. Merci pour nous chaque bon Dieu sécher de l'eau dans les yeux non. Merci pour nous chaque dans moment difficile yo où t'es fortifié nous. Dans jour pas capable marcher yo, dans époque Seigneur membre nous yo pas capable. Montez ben nous force bon Dieu nous marcher. Nous marcher sur chemin saluant pour nous arriver servant aujourd'hui, pour nous arriver serviteur aujourd'hui, pour nous capables d'un instrument dans main matin. Merci. Merci, bon Dieu, de nos forces morales pour nous recommencer après échec que nous te connaissons en vie. Non. Et non, bon Dieu, après divorce, là, Seigneur, ou bien nos forces rochers de Jacob pour que nous capables de continuer à avancer dans la vie, non, bon Dieu. Le moment de solitude là, bon Dieu, ou ben nos forces, Seigneur. Que nan nous, Seigneur, jusqu'à cette présente minute, ou fais-nous grâce, nous kembe ou obla blanche sous nous toujours, bon Dieu. Nous kembe sainteté, nous fidélité, nous la caille ou toujours. C'est pas avec force par nous, mais c'est avec force par, bon Dieu. C'est où qui ben nos forces? C'est où, bon Dieu, qui fait nous pas tomber? C'est où, bon Dieu, qui aidez-nous à chaque fois nous voulons décourager, à chaque fois nous voulons céder. Mais bon Dieu, que bien nous, nous soutenons. Les bagailles sont difficiles pour nous, bon Dieu. Lorsqu'on fait silence, nous ne connaissons pas côté pour nous aller, qui ça pour nous faire pendant que la famine a approché vers nous-mêmes. Mais bon Dieu, ou ben nous force pour nous continuer à avancer, pour nous continuer à espérer en haut. Maintenant, nous levons bien haut. Matin, nous bénissons, nous exaltons. Matin, nous bâillons gloire, l'honneur, l'orange que vous-même seul méritez, bon Dieu. Parce que vous avez aidé nous dans moment difficile. Dans le moment, bon Dieu, côté tout le monde t'a abandonné nous. Dans moment de maladie, non, de souffrance, non. Dans moment de honte, d'opprobre, non, Seigneur. Dans moment d'humiliation, non, Seigneur, où t'es campé pour nous, où soutenir nous. Matin, Dieu de toute la terre, immortel, invisible, bon Dieu qui sauvait, bon Dieu qui délivrait, bon Dieu qui fait grâce là. Matin, nous venons offrir à vous-même, bon Dieu, remerciement pour tout ce qu'on fait pour nous, Seigneur. Mais nous, chaque matin, Seigneur, qui t'a traversé, yon gros de l'eau, t'es ben nos forces. T'es ben nos forces, bon Dieu. Nous traversons, lui. Mais nous, chaque bon Dieu, ennemi, t'es levé contre nous, tout partout. Seigneur, te fais nous grâce, nous vivre dans le temps, yo. Et Seigneur, jusqu'à ce que, ou ben nous la victoire, ou te ben nous patience, nous pas de jambes fatiguées. Mais nous, chaque matin, bon Dieu, après plusieurs années d'attente, Seigneur, ou fais-le pour nous. Oui, ou fais-le pour nous, bon Dieu. Ou te ben nous force pour nous temps, nous. Ou te ben nous force, bon Dieu, nous pas de chuter. Merci. Et je dis à nous, délivrance, je dis à nous, grâce, je dis à nous, comment ou c'est le Père bienveillant. Ou soutenir, ou sauver, ou délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ, matin, nous venons devant pour nous dire merci. Merci parce que tu es dans nos forces. Merci, Seigneur, parce que tu traverses nos gouttes d'eau. Merci, rocher de Jacob, parce que, bon Dieu, tu as montré nous comment pour nous comporter nous dans les temps ennemis, nous, Seigneur, ou pas de quitter ou porter nous aller. Matin, c'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, ou sauver nous. Si nous vivons toujours, c'est grâce à vous-même, bon Dieu. Si nous respirons toujours, dans le temps de maladie, ça, bon Dieu, c'est grâce à vous-même. Ou fortifier le corps, nous, bon Dieu. Lorsque nous ne sentons pas capable encore, lorsque nous sentons qu'on nous a ployé, lorsque nous ne sentons pas qu'il y a un mouvement dans nous encore, nous requêtes prière, force ou entraînement, nous, force ou entraînement, nous, bon Dieu. Oh Seigneur, fortifiez-nous vraiment. Nous n'avons pas de force pour nous camper pour vous, bon Dieu. Mais nous seulement prions, nous seulement commencer ou fortifier nous, mon Dieu. Les nous malades, Seigneur, ou pas quitter nous coucher. Ou fait nous grâce, nous camper debout, mon Dieu. Merci pour force qu'on bat nous, Seigneur. Merci pour force morale qu'on bat nous, Seigneur. Force physique qu'on bat nous, Seigneur. Merci, rocher de Jacob. Merci en pile matin, hein, pour toute force qu'on bat nous, mon Dieu. Dans situation difficile yo ou by force bon Dieu à monde qui fatigué yo Seigneur matin nous pas gagne rien qu'à offrir pour nous prouver comment nous reconnaissant parce que Seigneur ou pas quitter mauvais vent yo aller avec nous
ou pas quitter, Seigneur Dieu. La mort, allez avec nous, mon Dieu. Mon fortifier nous. Ou réparer corps nous. Restaurer nous, mon Dieu. Ou restaurer membres nous. Ou restaurer cœur nous. Ou restaurer rein nous. Ou restaurer corps nous entièrement, mon Dieu. Merci. Immortel, invisible, Dieu de toute la terre. Bon et tendre Père bienveillant. Toi qui prends toujours soin de tes enfants. Merci en ce temps difficile parce qu'on prend soin de nous. Merci en ce temps difficile, bon Dieu, ou pas abandonner nous, ou pas délaisser nous. Merci en pile, ma terre. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, semaine ça qui a peine commencé, nous remettre dans la main, bon Dieu. Permettre que le capable une semaine de bénédiction pour la vie, non. Une semaine de force, Seigneur Dieu. Permettre que la foi nous fortifie, Seigneur Dieu. Permettre que la foi, nos convictions nous renforcent davantage, bon Dieu. Aidez-nous, Seigneur, en ce temps difficile pour nous garder la foi, garder confiance dans nous. En ce temps difficile, fais-nous grâce pour nous appuyer sur nous plus. En ce temps difficile, en ce temps de maladie, Seigneur, en ce temps côté que tout le monde, mon Dieu, peur, vacciné parce que, mon Dieu, effet secondaire qui gagne un vaccin, fait un peu le monde peur. Rocher de Jacob, aidez-nous pour nous traverser cette période difficile, ce temps difficile. J'en côté promette, non, t'es dit non, priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Promesse ou certaine et véritable. Dans Luc chapitre 21, Seigneur, verset 35-36, où dit nous prier en tout temps pour nous gagner force, pour nous capables d'échapper à toute bagaille ça, yo. Aidez-nous pour nous échapper à toute bagaille ça, yo, mon Dieu. À toute bagaille ça, yo, Seigneur, capable de branler l'humanité. Nous gagnons espoir, Seigneur, nous gagnons confiance dans vous. Petite, nous n'aimons, mon Dieu. Famille, nous n'aimons, Seigneur. Aidez-nous, rocher de Jacob, pour nous traverser ce temps difficile. Aidez-nous, Seigneur, pour nous voir grandeur dans ce temps difficile, pour nous voir miracle, ta gloire, en ce temps difficile. Matin, Seigneur, mets-nous chaque qui présentait devant, qui sentit nous fatigués, qui sentit nous pas capables encore. Aidez-nous, c'est dans le foyer, nos bon Dieu. Seigneur, nous pas capables encore. Seigneur, tout ça qui n'a pensé nous, c'est abandonner toute bagaille, écraser toute bagaille, bon Dieu. Parce que nous sentons nous pas vivre en paix, bon Dieu. Tout temps sont pas l'empile, tout temps sont joués, bon Dieu. Tout temps sont fatigue spirituelle qui a porté nous aller. Son jouement, bon Dieu, c'est mauvais paroles n'a pas coûté. Le matin, on va force à monde qui est fatigué. Pour la gloire de ton Saint-Nom, bon Dieu. Nous ne pouvons prendre aucune décision. Pour que demain, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, ou pas gagner pour reprocher nous. Pour que demain, au dernier jour, rocher de Jacob, lorsque nous va présenter devant, pour que Seigneur, nous pas gagner reproche. C'est ça que fait bon Dieu matin, en apprenant ben nos forces. À cause de l'engagement, nous te prenons devant, bon Dieu. À cause de vœux, nous te fait devant au matin. Fortifiez-nous. Fortifiez-nous, bon Dieu. Dis un mot dans le foyer, nous, Seigneur, dans le mariage, non. Dis un mot dans la famille, nous, bon Dieu. Dis un mot dans la vie de mon Dieu, Dieu de toute la terre, immortel, invisible. Dis un mot pour la vie, non. Bon Dieu, la vie, hein, bon Dieu capable, bon Dieu réel. Nous comptons sous grâce. Parce que nous ne connaissons pas rien qui est impossible pour pas rien, pas qu'à faire, bon Dieu. Bon Dieu capable là, bon Dieu réel là. C'est vous-même qui voit nous. C'est vous-même qui force nous. C'est vous-même qui berger nous. Pas rien nous qu'a fait sans vous. Maintenant, amour, la grâce, la compassion, la fidélité qui va jamais finir. Bon Dieu, aidez-nous, soutenez-nous, Seigneur, dans moment de faiblesse, dans moment de deuil. Dans moment, Seigneur, difficile que nous connaissons dans la vie nous. Aidez-nous, fortifiez-nous, bon Dieu. Il y en a non, Seigneur, qui perd du mari, non. Nous pourrons jamais capables de guérir de cette situation. Nous pourrons jamais gagner force, bon Dieu, pour nous d'accord cette réalité, bon Dieu. Aidez-nous, Seigneur, pour nous traverser. Étape ça, aidez-nous pour nous tourner page ça, bon Dieu.
Sèche de l'eau dans les yeux, non, bon Dieu. Aidez-nous pour nous surmonter, bon Dieu. Étape ça. Aidez-nous au rocher de Jacob matin. Pour que l'esprit nous capable d'attirer par l'autre bagaille, bon Dieu. Que détresse. Aidez-nous pour l'esprit nous attirer sous l'autre bagaille, bon Dieu. Que chagrin. Aidez-nous pour l'esprit nous attirer au rocher de Jacob sous l'autre bagaille. Que nous plonger dans la détresse. Que nous plonger dans la souffrance. Mais fortifiez-nous. Remontez moral nos matins. Nous-mêmes, bon Dieu, qui tombons dans le péché. Aidez-nous pour nous comprendre, Seigneur Dieu, ou pas voyez nous chuter. Ou gain patience pour nous. Puis nous fatiguer avec tête, non. Puis bon Dieu, nous abandonner tout cela. Nous capables de tomber, bon Dieu. Mais nous pas prêts à terre. C'est pour nous continuer à avancer. Et nous-mêmes, bon Dieu, leader, ben nous patience. Ben nous patience pour nous supporter faible, bon Dieu. Ben nous patience pour nous supporter si la yo qui gon addiction dans la vie, yo, bon Dieu. Yo pour qu'on capable changer. Yo pour qu'on capable délivrer de sa peur. Et de nous pour nous prier pour yo. Et de nous, Seigneur, pour nous fortifier yo même dans la prière. Par le principe des vases communicants, Seigneur. Aidez-nous, oui, rocher de Jacob, pour nous communiquer la force par nos prières. Aidez-nous pour nous intercéder, Seigneur Dieu, pour nous la prière, pour eux, mon Dieu, lorsque nous sommes dans une mauvaise situation. Parce que c'est des nouveaux-nés, mon Dieu. C'est des enfants, Seigneur. Aidez-nous, rocher de Jacob. Pour nous porter yo sous bras, non pour nous supporter yo, aider yo, pour nous bailler l'aide, Seigneur, non pas de la nourriture solide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous remettons semaine ça dans la main, bon Dieu. Permettre que le capable yon semaine de bénédiction pour la vie, nous, yon semaine de victoire, yon semaine pour nous et gloire qui a brillé, yon semaine de protection, de force, bon Dieu, yon semaine de prospérité pour la vie, nous. Et dans nous, c'est dans la semaine ça, bon Dieu, nous gagnons pour aller dans le grand rendez-vous. Dans la semaine ça, bon Dieu, nous gagnons pour aller dans la côte. Dans la semaine ça, Seigneur, nous gagnons au rocher de Jacob pour nous prendre engagement. Dans la semaine ça, bon Dieu, nous gagnons au rocher de Jacob pour nous célébrer pour un nouveau printemps, une nouvelle année, qu'au bain nous pour la vie. Nous. Et dans nous, c'est chaudi, ah, bon Dieu, qui ne joue pas à nous. Nous disons merci. Merci pour tant d'années qu'on prend nous. Merci pour tant de patience qu'on prend avec nous. Merci parce qu'on va jamais jeter nous, tu prends patience avec nous. On va jamais bouquer avec nous. Et c'est ça qui fait que je dis à nous là. Nous c'est résultat l'amour. Nous c'est résultat patience. Aidez-nous pour gagner l'amour avec patience pour l'autre. Aidez-nous pour nous fortifier faible. Aidez-nous au rocher de Jacob immortel invisible pour nous continuer à avancer sur le chemin salut. Bonne lumière. Pas quitter nos prendre dans piège ennemi. Bénis mes nos bon Dieu. Bénis tout ça n'a fait. Bénis ça nous gagne comme entreprise, Seigneur. Bénis nous, Seigneur. Bénis ça nous gagne comme commerce, bon Dieu. Aidez-nous, rocher de Jacob, pour nous prospérer, pour nous réussir dans tout ça n'a fait. Jean que l'écrit dans parole au Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits, tendre Père. Fais-nous connaître exploits dans la vie, nous. Fais-nous connaître bonheur dans la vie, nos succès dans la vie, nos réussites dans la vie, nous, bon Dieu. Nous connaissons, ou pas quitter nous demander la charité. Nous connaissons, Seigneur, ou pas quitter nous échouer. Nous connaissons, Seigneur, promets nous, pas abandonner nous. Ou à fortifier nous, ou à lever nous à terre. Ou à retirer nous dans trois, Seigneur Dieu. Ou à retirer nous dans la bois, Seigneur. Yon jour pour nous témoigner grandeur. Yon jour pour nous dire, ou c'est bon Dieu qui a patience. Ou c'est bon Dieu qui a l'amour. Ou c'est bon Dieu qui a délivré. Ou c'est bon Dieu qui a nous le bras. Les nous tomber, ou fait nous lever. Ou voyez Saint-Esprit, avez nous convaincre. Non, ou voyez Saint-Esprit, venez nous le bras. Pour retirer nous dans le péché. Pour retirer nos Seigneurs dans la saleté, dans la souillure. Vous voyez nos convictions, Seigneur, pour fortifier nous, pour ne pas pécher contre nous-mêmes encore. Vous voyez le renouveler engagement, nous, bon Dieu, pour ne pas abandonner tout cela. Fortifier nous, par pouvoir Saint-Esprit, par force Saint-Esprit, communiquer nos forces matin, que force soit capable d'entrer dans la fin, nous.
que force ou capable entrer au plus profond de nos matins, que force ou entrer dans membres nous yo bon Dieu, que force ou entrer dans morale nous bon Dieu, dans cerveau nous, que force ou entrer Seigneur dans corps physique nous, l'Éternel des armées, fortifiez-nous devant ennemi nous yo bon Dieu, fortifiez-nous Seigneur devant ennemi nous yo, devant monde qui a persécuté nous yo, fortifiez-nous Seigneur devant monde qui pas veut ouais nous yo, l'Éternel des armées, fortifiez-nous. Fais-nous grâce pour nous camper droit devant eux. Fais-nous grâce pour nous marcher droit devant eux. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, rocher de Jacob, immortel, invisible, Dieu de toute la terre, pour nous pas courber, pour nous pas baisser, mais pour nous droit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ou by force, ou encourager, ou sanctifier, ou bénir. Matin, bénis-nous. Sanctifier la vie, nous. Purifier le cœur, nous. Aidez-nous pour nous traverser ces moments difficiles. Aidez-nous, cachez-nous en ce temps de maladie, en ce temps difficile, bon Dieu. Cachez-nous, cachez Timonio pour nous, bon Dieu. Cachez maison la caille, nous, bon Dieu. Cachez chacun de nos matins qui à l'écoute, Seigneur. Couvrez-nous par manteau de grâce. Nous-mêmes qui travaillons dans l'hôpital, dans le laboratoire, Seigneur. Nous-mêmes, la vie nous expose chaque jour, Seigneur. Nous-mêmes qui peur, bon Dieu, côté nous y est, Seigneur. Bon nous force pour nous surmonter peur, nous. Bon nous force pour nous surmonter deuil, là, bon Dieu. Bon nous force pour nous surmonter divorce, là, rocher de Jacob. Bon nous force pour nous surmonter séparation, l'Éternel, Dieu de toute la terre. Car c'est vous-même seulement qui est indispensable pour nous. C'est vous seulement, Seigneur, qui ne pouvez jamais blaguer, nous, qui ne pouvez jamais abandonner, nous. C'est vous seulement qui accompagnez nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous entrions la caille. Sois toujours avec nous, Père. Sois toujours avec nous. Sois toujours avec nous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous, sois toujours avec nous. Oui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, accompagnez-nous, matin. Aidez-nous, Seigneur, donne-nous le bras, matin. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Seigneur ira devant toi, sur le chemin il te guidera. Sois fort et prends courage, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, car celui qui vit sur tes ennemis, il te fait régner.